une game de faire une heure de code. On se fait une game de code. Moi, j'avoue qu'en plus, tu sais, j'étais un peu, je suis un peu sur la bordure de la fatigue, donc si de faire une game de code names et après, j'irai me reposer. Bon, allez, on. Vas-y, on tue une go. Ok. Ok, top. Je crée un salon. Ouais, donc, vas-y, go. Mais vous allez voir, c'est vraiment très drôle. J'arrive. Vas-y, vraiment très drôle. Et on joue au tarot par contre. Ah mec, je sais toujours pas. On joue au tarot, mec, ça fait 2 ans qu'on en parle. Ça fait 2 ans qu'on dit stream tarot un jour. Jamais arrivé. Je sais pas. Mais du coup, Codename, c'est trop drôle parce que c'est un jeu qui est. C'est facile d'y jouer, c'est facile de comprendre quand tu y as déjà joué. C'est insupportable d'expliquer les règles, je trouve, de Codenames. C'est dur. Ouais. Ça va, là, franchement, tu t'en es bien sorti, mais moi je trouve ça à chaque fois insupportable. C'était mon métier, monsieur. Excusez-moi, madame. Pardon. J'ai mis dans Blabla Streamer, du coup. Je clique. Attention, hein, le lien, hein. Je clique. J'ai cliqué. Mon pseudo, ONU. Ponce. C'est trop bien, Codenames. Et Modal. Oh, c'est incroyable. Le site est vraiment incroyable aussi. Hein. Oh, ouais, les mots sont trop durs. Merci d'avoir collé le Codenames dans le chat. Ah, franchement, trop meilleure idée. Trop bonne idée. Il y a du son sur le site ou pas? Je sais pas du tout. Non. Ok. Non, c'est à toi de mettre la musique. Si c'est ça ta question. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On fait combien d'espions par team? Un seul? Ouais. Oui. Qui veut être espion? On va peut-être faire un petit pipi aussi. J'ai pas fait pipi. J'arrive. Faire un petit pipi. Il est mieux que le site Showdown, mais je dis rien. Ok, j'arrive. Petit pips, j'arrive aussi. C'est vrai que c'est une bonne idée à toutes. Ah. Donc tout le monde va faire un petit pipi pisser, là. Du coup. Ouais. Pourquoi pas. Non mais ça. Après pourquoi pas, voilà. Alors, carnet, stylo. Je suis équipé. Je vois tous les mots, je t'avoue, je suis pas très rassuré, quoi. Bah, de toute façon, on va... Des petites liaisons. Ouais. Hop. De toute façon, je pense qu'on va reset cette table-là. Et je vais faire des exemples pour... C'est ONU qui a jamais joué, c'est ça? Non, c'est Wingo. T'as Wingo qui a jamais joué, je crois. Ouais. Et ONU, je sais pas s'il a déjà joué. Hop. Quelqu'un sait si le jeu est payant? Alors, le jeu est gratuit sur le site Codenames. Sur le site. Et après, t'as l'édition plateau, donc jeu de société, qui est vraiment très bien fait aussi. Très bonne qualité. Ouais. Et je sais plus, ça doit être entre 20 et 30 euros, je crois, la boîte. Ouais, ça doit être ça. Hein. Non, j'ai pas d'overlay pour la musique. Désolé, c'est une vidéo YouTube, mais je peux vous la mettre dans le chat. Re. Ça, c'est marrant, il y a justement il y a France Nature Environnement qui a répondu à mon tweet. Bon, à mon avis, comme ils vont répondre au vôtre. Mais ils ont mis ça fait plaisir de voir un ours se préoccuper des blés, se préoccuper des blaireaux. Ça m'a fait rire. Moins rond. Alors, je suis prêt à game. Je suis prêt à game aussi. Faut choisir une team, mais Non, mais il y a Ultia qui a mis le lien du lobby. Ouais. Ouais, exact. Dans Blabla Streamer. Il manque une personne, il y a déjà un imposteur. C'est qui? Ouais, il manque une personne. Faut pas montrer le lien, non? Non. Non. Ouais, il faut éviter de le divulguer. Chippy du 06, j'en peux plus. Ok, nous sommes 6. Et bah du coup, Ghost départage. Moi, je vais avec Ponce. Ah bon? Ouais. Par contre, j'ai fait Join Room, vous aussi? Bah, Made Zilan. Ouais, c'est normal, on est dans la room, on a déjà les mots et tout devant nous, là. Ok, attends. Du coup, faut décider des équipes. Eh ben, regardez. Contre le reste du monde. Si je. FCF, vas-y. Je suis chaud, en vrai. C'est marrant. Vas-y, je suis chaud. Moi, je fais espion dans la team rouge. Ah, ok, du coup, je vais. Vous voulez que je fasse l'espion ou Wingo? Vas-y, soit espion, nu. Ah, mais attends. On va voir si. Faut peut-être changer les roues. Il y a assez de place. Ok. Ah, oui, non, c'est bon. Si, il y a assez de place. MDAL, Kalen. Ouais, non, là. Wingo, faut que tu viennes agent bleu. Wingo, en bleu. Ouais, agent bleu. Operative. Ah merde, bleu. Ah, t'as pas mis ton jeu en français? Non. Ah mince. Mais les mots sont en français. Attends. Tu vois quand même les mots en français, là. Je peux pas juste...
Oui, oui, je vois les mots en français, donc... Ah bah, ils ok. C'est le principe. Bon, c'est bon, alors. Et du coup, Suite tu viens... de Blue Team. Ah bah, parfait. Ok, c'est bon. Okay. On y va. Allez. Bah, go. On est d'accord, là, dans notre Allez, team, c'est parti, on y va. C'est toi qui connais les mots. Oui. Ouais, moi, j'ai les bons mots de notre team. Non, attendez, j'ai inversé les couleurs. Que... Oh, non. Attendez, Ah, t'as déjà donné l'indice, là? Ah ouais. Non, mais en fait, j'ai trop parce que j'ai inversé les couleurs. Non, non, mais en fait, moi, je voulais faire une partie... Ah ok. Ah, moi je voulais faire un test. Ouais, on peut faire un test. Je voulais faire une partie de test pour montrer à Wingo qui a jamais joué en fait. Ah tu commences direct. Il a commencé non, capture 3. J'ai donné les mots pour vous. C'est vraiment pas fun de jouer avec une très putain. Ah ouais, t'es en full tryhard là. Donc du coup je voulais dire que en gros tu vois Wingo, ouais. Toi t'as des plein de quêtes, plein de cartes qui sont beiges sous tes yeux, ouais. Avec plein de mots. Et en fait nous, enfin moi agent rouge et Onutrem agent bleu. On a des mots qui sont en bleu ou en rouge. Et c'est ces mots, en fait, qui doivent être faire. Enfin, tu dois les deviner, en gros. Mais tu dois deviner ceux de ta couleur, pas les miens. Sinon, ça me rapporte des points à moi. Oui. Ok. Tout à fait. Donc, voilà. Et il y a aussi un mot noir qui a un mot à absolument ne pas faire deviner. Ouais. Sinon, tu perds ta partie. Ouais, ouais, carrément. Donc, genre là, par exemple, je suis en train de réfléchir. Mais tu vois, il y a chat, poisson et elle, tu vois. Et si je dis ben animaux en 3, et ben tu vas peut-être ah ben il y a même criquet, donc animaux en 4, tu vas peut-être dire bon bah ben voilà, peut-être chat, peut-être poisson, peut-être elle, peut-être criquet et tu vas deviner les cartes. Attends, et mais là il faut vraiment faire en sorte quand tu fais deviner un mot, bon là ça sera pas à toi de le faire, de faire deviner un mot qui ne fait pas deviner les mots des autres et surtout pas le mot noir quoi. OK. Mais OK, mais là on est d'accord que Wingo il a débloqué le poisson. Bah du coup, il a cliqué sur poisson et il a validé poisson mais c'est pas très grave. On va recommencer cette ça compte pour du beurre là. Non mais on va j'ai vu que t'avais tag juste les mots pour est-ce... dire tu penses parce que tu pensais que c'était ces mots là quoi en gros mais alors en moi, gros j'ai appuyé sur la main et du coup c'est ça il faut pas sur la main voilà mais en gros tu vois genre là il y a juste Onu qui a mis capture 3 ça veut dire qu'il y a 3 mots qui ont rapport avec le mot capture à nous découvrir lesquels il veut parler et donc tu vois on peut réfléchir voilà c'est tout et je pensais que la main allait me permettre de taguer les différentes cartes que je voulais mais du coup non donc, non du coup, c'est vraiment la sélection c'est tout. En vrai, c'est tout. C'est vrai que c'est difficile. Par contre, tu peux quand même les pointer, il me semble. Bah, je les ai pointés, moi. Vous les voyez pas? Il y avait pas écrit ponce? Si, il y avait marqué. Ah, voilà. Parce que du coup, moi, j'ai pointé. Donc, t'as mis capture 3. Moi, j'avais pointé, du coup, poisson, filet et chasse. Mais j'ai pas retourné, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est très, très simple. Hein. L'espion. Bien sûr, c'est simple. L'espion, il voit les couleurs des cartes. Donc, il sait quelle carte est à lui. Et il va essayer de faire des groupements de mots. Ça, genre là, il y avait capture 3. En fait, il y a 3 mots qui ont un rapport avec la capture au milieu. À nous trouver. C'était pas les règles qui étaient compliquées, c'était l'interface. C'est ça. Et du coup, faut pas cliquer pour les retourner. Faut attendre. En fait, on débat ensemble, Wingo. Tu vois, on va débattre ensemble et tout. Voilà. Mais là, c'était l'interface qui allait pas là. Voilà. Ok, bah go. Wait until they all set up a game. Ok, Go. Voilà. Donc là, on peut se mettre en vocal. Enfin, moi, je peux me mettre en vocal avec Onu en dessous. Et on va essayer de réfléchir aux mots et faire des mots et revenir avec après quoi. C'est ça. Ah, okay. Oui, ok, on peut faire ça comme ça. Ah, genre tous les deux ensemble? Ouais. Bon, de toute façon, les deux voient les mots de tout le monde. On dit pas les mots. Hein? Bah, si on reste ensemble et qu'on dit pas les mots. Parce que, tu veux partager la réflexion. Oh, on s'en fout en vrai, hein. Oui. Oh, bah, en général, c'est ce qu'on fait avec Antoine. Oui, mais faites ça en vrai. Allez-y. Tout, vous revenez dans 2 minutes. Si tu veux la jouer perso, tu la joues perso. Ah, mais on sépare pas les vocaux, ils reviennent après en fait. Ils reviennent après. Ouais, c'est ça. On va en réu. Go. Titre réu là. Donc en gros, là, bah tu vois, pendant ce temps, donc nous on est Emdal, Kalen, vous êtes ensemble, moi je suis avec Wingo. On est d'accord, Onu. Et Ultia, ils voient exactement les mêmes couleurs sur les cartes, donc ils savent quelle carte va nous donner des points ou donner des points à l'autre team, etc. Ouais. Et ils réfléchissent déjà à l'ensemble. Tu vois, imagine, je dis n'importe quoi. Hein. Imagine. Ouais, tu peux avoir animal déjà avec oiseau, méduse. Enfin, je sais pas si. Oui, voilà. Par exemple, imagine il y a oiseau, méduse. C'est deux trucs bleus. Onu peut revenir et dire animal 2. Par exemple. Exactement. En fait, du coup, la grosse difficulté, c'est si oiseau est bleu et que méduse est, rouge. Il va falloir trouver autre chose. Ah, c'est ça. Il peut pas dire animaux pour. T'arrives à trouver une autre liaison qui peut englober le mot oiseau mais éviter le mot méduse avec le reste des mots. Yeah, it's fluent. Yeah.
Yeah. Ok. Yeah, je suis sûr. Mais là, ils vont revenir dans 2 minutes, ils sont de retour. Hein. Mais juste... Pokémon en 6, quoi. Il peut y avoir quoi? Plan, bain, pensée, bébé, samouraï, avion. Okay. Là, tu tentes le clutch ultime. Ouais. 9. Et tu trouves un mot. Tu vois, si samouraï et bonsaï, c'est la même couleur, déjà, c'est bénef, tu vois. Ouais, clairement. Mais de toute façon, quand tu... Mais bon, c'est vrai que souvent, le jeu va faire en sorte d'avoir des... D'avoir justement des mots qui peuvent être à peu près proches, mais qui ne sont pas de la même couleur. Oui. Bah, c'est même ce qui va se passer en général, tu vois. Et il y a une carte où... aussi, juste je précise, il y a une carte qui est la carte noire. Si jamais, eh bien, par exemple, je sais pas, on me dit, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, un chaussure, et je mets bah botte, et en fait, botte, c'est la carte noire, boum, on a perdu. Bon. Ouais. Et si jamais c'est une carte rouge, bah on donne un point à l'équipe rouge, tu vois. Et ça passe à l'autre équipe. Mais là, exactement. C'est juste que je comprenais pas pourquoi ils allaient chacun de leur côté. En vrai, ça a pas trop d'intérêt, mais que, eux, de leur côté, ils discutent ensemble et tout, des fois, c'est marrant, tu vois, ça se donne des idées et tout. C'est pas obligatoire, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je l'ai fait quand même pas mal de fois, tu vois. Ouais, c'est à la fois un jeu d'équipe, mais un jeu qui englobe au final tout le monde au même endroit, quoi. Oui, après ils reviennent, hein. Genre là, dans 30 secondes, ils reviennent et ils nous disent « Alors !» Tu vois. Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et après, par contre, ils ont pas le droit de parler une fois qu'ils nous ont donné les trucs, ça c'est marrant. Parce qu'ils nous voient galérer, ça va être... J'aime trop ce jeu, ouais. Ils vont se dire « Putain, j'aime trop ce... ils sont cons. » Qu'est-ce qu'ils sont stupides. Mais c'est vrai que du coup, même nous... Ah non, je veux dire, est-ce qu'il faudrait qu'on... Je me disais, je vais peut-être cacher le chat quand on... Il y a Codenames en... Je savais même pas qu'il y avait Codenames en catégorie tweet. Si, il y a, bien sûr. Ouais, il y a, ouais. Mais moi, je passerai pas en emote only, je vais juste baisser le chat. Je le dis pour les modos, prenez pas la tête, moi je baisserai juste le chat, je l'enlèverai. Ouais, c'est ce que je vais faire aussi. Et comme ça, vous pouvez discuter entre vous et tout. Ce sera mieux. J'ai envie d'aller les écouter, mais j'ai pas le droit. Attends, c'est quand En vrai, moi, je trouve que la grille est dure. Hein. Parce que... Ça dépend des liaisons qu'il va y avoir. Pour l'instant, ça devrait aller. Mais tu peux pas faire des trucs en 4 ou en 5, parce que là, ça va être... Ben là... Ou alors, très chaud, quoi, mais... C'est... Plan goût clou. Je sais pas. Mais non, chaque apam. Tintin. Avion, solution, bonsaï. Mais il y a un truc où tu peux faire chien, ouais, avec genre Tintin, avion, mais bon, c'est un peu chaud. C'est vrai qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Il n'y a pas de point d'exclamation code name, c'est vrai. Petite réexplication pour les gens qui viendraient d'arriver ou autre. En gros, ONU et Ultia sont en train de réfléchir à comment ils vont nous faire découvrir les mots qu'ils ont à nous faire découvrir. Eux, ils voient la grille dans l'autre sens, c'est-à-dire que par exemple, ils voient des couleurs rouge ou bleu ou noir derrière les cartes. Et le but, c'est de nous faire découvrir les mots de notre couleur, donc bah, pour ONU, les mots bleus, et essayer de faire des associations de mots pour que nous, on puisse trouver. Par exemple, je sais pas, imaginons ONU, il a pas d'inspi, il dit satellite en 1. Bon bah ça va être lune, on dit lune, boum c'est ça, on gagne un point. Voilà. Et après aussi, c'est aux autres de jouer, etc. Aussi dans le règle, il y a des mots blancs. Oui c'est vrai. Ils sont genre neutres. Ah oui. C'est-à-dire bon bah, toi tu tombes dessus, bah juste tant pis, ça passe ton tour, mais tu perds pas de points et les autres gagnent pas de points non plus. Oui parce que c'est vrai que là pour les viewers ça peut paraître un peu particulier parce que nous on a notre liste avec tous les mots. Mais du coup eux, en tant qu'espions, ils ont vraiment la grille avec... certaines cartes ont la couleur bleue, d'autres la couleur rouge, noir et blanc quoi. C'est ça. Et si ça change de tour à chaque fois, forcément? Ah, si tu. Genre, par exemple, un mot, si tu... est-ce que c'est toi qui continue de jouer? Alors. Ouais, c'est ça. Si t'as pas un mot de ta couleur, ça passe non, à son tour et à l'autre. Mais si par exemple, il donne un mot, enfin, je sais pas, par exemple, il dit. J'en sais rien, transport en 3, et que tu trouves les trucs. Genre, c'est toujours à ton tour de jeu? Alors, si tu as le droit d'ajouter un coup après. Genre imagine il dit transport en 3, t'as les 3, t'as droit d'en mettre un quatrième, c'est légal. Ah, sauf oui. Que bah du coup c'est tricky. Mais en fait il faut se souvenir potentiellement de ce qui a été dit avant que t'aurais pas eu par exemple, tu vois. Okay. Et t'as le droit, genre comme un bonus, tu vois. Ouais, mais c'est tricky quoi. Ouais. Ok. Et du coup ils font une disserte là sur la grille de mots ou pas? Ouais, attends je vais les voir vite fait.
Attends, je vais voir. De toute façon, on va jouer, vous allez comprendre instant, hein, vraiment. Je lance une game derrière, moi. Attends, là, je suis là, c'est pour pas entendre. Du coup, on fait quoi ? On arrive là. Ah, là. Ah. Ok. Pourquoi t'es descendu, pense ? Bon, pour savoir où vous en étiez, parce que ça faisait un petit moment qu'on m'attendait, quoi. Bah, c'est long, en vrai. C'est long, mais... Codename, non, c'est pas très rythmé comme c'est jeu. Long, mais c'est ce qu'on se disait, tu vois. Est-ce que c'est nécessaire de se séparer pour discuter? Moi, je pense pas forcément, mais après, ça va être plus fluide, en fait, entre les tours. On a toujours fait comme ça, j'avoue, mais... Ouais, mais je sais pas, c'est... Ok, ça va rendre plus fluide. Okay. Chat en emote only, ou on enlève le chat, je précise. Moi, je le cache. Ok. J'ai pas de chat. Boum, let's go. J'ai pas de chat, donc... C'est les agents, en fait, qui doivent avoir le chat, ouais. Ouais, 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 bien sûr. Ça, moi, je suis pas... On est prêt. It's Friday then! Saturday, Sunday, what? À vous. It's Friday then! Et donc, nous, les agents, on a le droit de rien dire maintenant. Juste, on vous donne nos mots et on vous regarde galérer. Et des fois, on a envie de se. Ok. On a envie du de coup, pourquoi tu parles? De se faire du mal et des fois, ça va. Ah, mais là, tu parles. Ok. Tu parles, bon. Ouais, mais parler dans le sens de. Ouais, allez. Non, je rigole, c'est des informations mon plus. Allez, allez. Je rigole, t'es mon mate quand même. Donc là, on est ensemble. BD 06 gives bon. Clue. Ah, vas-y, c'est facile. Putain. Il y a Tintin. Tintin. Mais c'est important. C'est important de noter ce qu'eux ils mettent en face. Ah. Parce qu'en fait, c'est des mots qu'il faudra pas mettre du coup, potentiellement. Si vous avez des doutes comme okay, ça, vous prenez en compte. Tu cliques une fois, c'est ça pour montrer. Ouais, okay, tu cliques juste pas sur la main. Ouais, ça évite de poser la carte dessus. Ok, bon, t'as mis Tintin. Et BD. Vous pouvez parler entre vous, hein. Oui, oui. Ouais, bah ça, ouais, bah ouais, ouais. Réfléchis aussi. Est-ce que... J'avoue que je... Pas grand-chose après. Peut-être film. Film, BD... En vrai, peut-être clou, non. Clou, tu vois. Ah, ouais, clou, ouais, ouais. Ouais. Planter une BD... Genre sel, par exemple, aussi. Ça marche très bien avec la BD. Comme vous voulez. J'hésiterai entre viking et samouraï, je sais pas pourquoi. Genre... Ah ouais, mettre ça dans BD... Sur ce genre d'univers, mais. Mmh, ouais. Attends, film, sel, Canada, oiseau, méduse, clou, déesse, lune, flamme, physique, goût, voiture, botte, viking, plan, bain, pensée, bébé, samouraï, carte, passage, avion, solution, bonsaï. Franchement, le seul truc qui se rapproche un peu, c'est film, quoi, parce que. Merci pour la liste. Alors, Ultia a indiqué en deux, ça veut dire qu'elle pense qu'il y en a deux qui sont vraiment logiques. Et que les autres, faut pas trop. Ouais, ouais, bah c'est pour ça. Genre, les Tintin, pas, c'est sûr, à 100%. Bah, Tintin, c'est validé, hein, c'est rouge, donc vous avez le point. Hein. Ouais, ouais, c'est de façon. Ah, c'est... ah, ok, d'accord. Ah, oui, oui, si attends, c'est rouge, que quand c'est que. Ah, si tu cliques sur le. La main, ça valide instant. C'est ça, il faut cliquer sur la carte si tu veux pas valider, juste la notifier, tu peux tester. Voilà, c'est ça. Vous avez le droit de stop aussi, hein. Vous avez le droit de dire, ok, non, je fais pas celui-là, c'est trop dangereux. Ouais, éviter la grid, quoi. Et ouais. Ouais, mais. Comme vous voulez. J'ai pas Emdal. BD de samouraï, là ? BD samouraï ? Ouais, je sais pas, j'aurais pas mis BD avec samouraï, tu vois. Après, souvent, il y a des oiseaux, tu vois, dans les BD, donc... c'est ouais, pas, bah... Hein. Il y a des BD sur le Canada, non ? Ah, c'est sûr, ouais. Bah, il y a des BD... tu veux qu'on valide juste ça ? Je pense qu'il y a une BD sur Elune ou pas ? On pourrait mettre DS, là. Tu veux qu'on valide film ? Moi, vas-y, je te suis. Genre... Ah! Oh, merci. Oh non, les gars! Oh non, c'est vraiment dommage. Ah, dommage, ouais. C'est bleu, c'est pour nous. Oh là là. Après, une BD de film, c'est un peu chelou, mais ok, mais c'est pas très grave. Non, si, en vrai, je pense que j'aurais mis ça aussi, en vrai. Moi non. Ok. Okay. Ça nous met trop bien. Mais du coup, je donne ça. Donc là, je pense alors, que c'est vraiment secret en deux. Derrière, là. Non. Alors? Non, c'était pas si évident, en vrai. Ouais. Voilà. Mettez coup, toujours là, si les plus évidents carte, en premier, voilà. Évidemment. C'est l'astuce que je vous donne. Parce qu'il y a la règle que si jamais, tu m'as dit Ultia tout à l'heure, si on prend une carte neutre, ça passe le tour. En vrai ? Carte ? Moi, je trouve que bot et pensée, c'est exceptionnel. Bot, la bot secrète. Attends, un passage secret, mec. En fait, moi, je pense qu'il faut le voir comme ça. Passage secret, est-ce qu'il n'y aurait pas genre comme une carte secrète, tu vois ? Moi, j'aurais mis flamme. Flamme bon, secrète, oui. Pour le... Ah non, parce que la flamme d'Anor, c'est le feu secret. Non, mais c'est même pas de quoi tu parles, mec. C'est Gandalf, c'est ce qu'il utilise pour vaincre le Balrog dans les mines de la Moria.
sûr, c'est la pas flamme ça. Doudoune. En vrai, la botte et le passage, c'est exceptionnel, je pense. Alors, en mode une botte secrète. Bah, un passage secret. En vrai. Un passage secret. C'est fort. On teste la botte. Est-ce qu'on peut... Est-ce que déjà on validerait pas le passage qui est le plus sûr? Ah oui. Oh oui, t'as raison. Ok, passage. Cette rêve de Cali. Oh merci, merci. Allez, let's go. Oh shit. Même moi, hey, du coup, vu que vous êtes trompés, ça passe instantanément à nous. Oh, Wingo. Bah, là, ils sont trompés, du coup, ça passe. Mais en fait, là où c'est dur. Ok. Au début, il y a tellement de mots en commun. Bah oui, c'est ça. Au début. Ah, non, mais c'est pas du troll, c'est qu'en fait, au début, c'est compliqué parce qu'il y a trop de trucs en commun. Ah oui, non, mais après, plus on y va et moins il y a de choses en commun. Mais au début, en fait. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on sait qu'il y a deux mots à nous qu'on pourra rajouter plus tard. Ouais. Lune, qui sont en lien avec secret, tu vois. Minuit en deux. Oh, facile. La lune. Lune, on est d'accord, c'est sûr à 100%. Allez, les bébés sont toujours faits à minuit, non? Non, rien à voir. Okay. Rien à voir. Minuit. Un pain, ah bah oui. Le pain de minuit. Bah oui, évidemment. Non, moi, je pense pas, hein, perso. Mais... Si, c'est sûr et certain. Bon, parce qu'après, je vois pas. C'est le truc qui me paraît le plus proche, tu vois. Un bonsaï pousse toujours à minuit, mais bon. Il grandit à minuit. Ça mourrait, il dort à minuit. En fait, il prend 3 cm à peu près à minuit tous les jours. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ah ouais, c'est tout petit, un bonsaï. On valide ça ou pas? On valide pas? Oui, on valide, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. Ah oui, bien joué. Oui. Bravo, ok, super. Nous, on sait déjà, nous, Wingo, on sait qu'on a secret en deux quelque part. Hein. Oublie pas. Hein. Ouais. Bah ouais. Bah, il y aurait pas. Hein. Non, mais on va pas faire ça. On va pas faire ça tout à l'heure. Épicé. Il y a un goût qui peut être épicé. Ouais, le goût épicé, ça c'est sûr. Il y a la sauce samouraï, c'est une sauce épicée. Ah ouais, là par contre, c'est samouraï. Ah non, mais par contre, moi j'étais sérieux premier dog hein, sur samouraï. C'est bien épicé le sel. Non, mais je suis assez d'accord parce que je pense que Onu il pourrait penser de cette manière là, mais il y a aussi le sel, mais c'est non, pas. Non, c'est pas une épice. C'est une épice le sel. En tout cas, si c'est ça, Onu c'est grave. Bon, c'est gravissime. Avoue qu'on one shot le goût d'abord. Hein. On one shot le goût. Vas-y, je te laisse faire. Okay. Mec, on a. Ouais, je te trust. Mais alors... attends, est-ce qu'on voudrait pas mettre bot par rapport au truc d'avant? En fait, on peut bot into samouraï si on est sûr de nous. On fait ça? Vas-y, bot. J'ai les bros. Attends. Bah, moi, mec, je te trust. Je suis à 100% avec toi. Ok, il en reste un de secret. Oublie pas. Après, c'est peut-être un samouraï qui est secret. Ah, en mode ninja, mais du coup, c'est pas trop pareil. Bien vu. Moi, j'aurais dit la carte secrète, tu vois, mais. Mais c'est chaud. Moi je dis. Viens, on fait samouraï, on assure. Vas-y, go. Enfin, on assure. GG. Oh, let's go. Bien joué, là, vous êtes en 3 puntos. Nice. Bien joué, bro. T'es vraiment très. Malheureusement, aucun mot à vous faire deviner en 3. Ah, dommage. Let's go. Feuille en 2. Bah, bonsaï. Feuille en 2. Je pense, déjà. Ouais. Une carte. Ouais, une mais et un plan. Ah oui. Ouais. Oui. Ouais, je sais pas. Bah du coup plus plan que carte. C'est le Canada oiseau, après les autres, ouais c'est vrai que ça me paraît... Moi, je trouve hyper secret le Canada. Hein. Sur le drapeau du Canada, il y a une... Ah c'est une feuille. Ah ouais mais c'est... Pourquoi t'as donné... Ouais c'est secret. Ouais. Bah, ça irait loin genre en vrai. Bah t'es obligé d'aller loin au bout d'un moment en vrai. Ouais. T'es obligé d'aller loin pour finalement être près des choses. Tu veux qu'on mette bonsaï déjà. Bonsaï ouais. Je pense. Ça a pas de feuille en hein, bonsaï, mais bref. Ok. Ah. Ok. Ok, ex aequo. Devinez, alors attends. Parce que là, du coup, il y en a un de sûr, et après, il y a BD, faut pas oublier, mais. Le BDE, bien sûr. Il est en forme, hein. Tu penses que ça pourrait être Canada, mec, pour la feuille sur le truc? En vrai, feuille Canada égale Masterclass. Mais tranquille. Une grosse feuille d'érable, quand même, sur le. Ah ouais, vas-y. En vrai, mec, j'ai envie de le tenter. Vas-y, let's go. Oh là là, c'est bien joué ça. Ok, attends, c'est très malin attends, ça. Avant, BD. Parce que potentiellement BD. Rester... Pas simple hein, le BD en vrai. C'est... Pour BD, vous êtes pas très malin, mais bref. Attends, je t'envoie un DM, je pense. Ah, je sais pas en vrai. J'ai pas envie de le tenter parce que j'ai vraiment rien où je me dis ok, BD, genre. Non. Ah, tu m'envoies un DM ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai envoyé un DM sur Discord. Ah ouais, mais non, mais MDR.
Si, 100% sûr. Yes. Ouais, d'accord. Fini. Ouais. Il m'a parlé de ça. Mais n'importe quoi. Ok. Ok, ok. Mmh. Ok. Oh là là. Par contre, mec, j'ai pas regardé plan depuis tout à l'heure, mais un plan secret. Ouais, mais dans ce cas-là, une flamme secrète, une déesse secrète, un clou secret. Une méduse. Je sais pas. Position en deux. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Tu dis n'importe quoi, Oni. Ça, je suis désolé, les bros. Position en deux. Bah, physique, hein, je dirais. Physique. Position 1, 2. Position. Position. Sur une carte, du coup. Ah putain. Sur un plan. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Sur un clou, mec. Dans une voiture, sur quel siège t'es? En vrai, pour moi, ce serait plan et physique. Et le truc, c'est qu'en fait, probablement que le position, c'est pour carte, mais que le plan, c'est pour secret. Et du coup, on a les trois. Et c'est pour ça qu'il a mis deux, parce qu'il y en a deux qui sont logiques, mais en vrai, il y a les trois qui nous permettent de... Mais il nous en reste quatre, bro. Non, mais tu vois ce que je veux dire, les toi, trois... Tu penses qu'il y a plan, carte, physique? Ouais. Mais on commence par physique, c'est le plus logique. Vas-y. Quoique, est-ce que c'est logique, physique avec position? Bah. Et non, c'est pas le plus logique. Bah après c'est dur, hein, parce que position 2... Du coup, on sait lesquels mettre au prochain coup. Donc du coup, Onus, ça va être à toi de nous permettre de one-shot. Le dernier, ouais. Ouais. Si vous avez deux. Ok. Ah oui, non, mais c'est sûr. En fait, je viens de comprendre du coup, Ponce, parce qu'il nous a mis ça. Il nous a mis ça pour englober le secret dedans, en fait. Ça va être chaud. Mais en fait, c'est ça des fois qui est chaud. C'est qu'on sait pas s'ils utilisent... Tu sais, genre là, il y avait position 2. Est-ce que dans position 2, il y avait un des secrets? On piquait directement avant-centre. Bah, clou. Bah, une méduse, ça peut piquer? Non. Un avion, ça peut faire un piquet. Oh, ils vont le faire. On en a trois à trouver. Ouais, mais cette solution est piquante, moi, je trouve. Mais... Oiseau, moi, je pense pas. Je sais pas pourquoi. Je oiseau vois pas le clou, avion... Ah mais du coup, oui, non, elle aurait mis 3 sinon. Putain, bien vu, Heimdall. T'as pensé à ça tout seul ou... Non, j'ai demandé à ma mère qui est à côté. Bingo, il est en full sel. Oh d'ailleurs, en parlant de sel. Piquer du sel. Ah, okay. Sur la table d'à côté. Piquer, t'es un joueur quand même vachement sale. Solution, bon. Son truc, quoi. Tu veux valider avion? Piquer, non mais valider clou avant avion, faites un effort. Ah, moi je... Tu les laisses tranquilles, oui. Premier. N'interviens pas de manière positive ou négative. Si, nous, on a le droit. Mais oui, je rigole, bien sûr que t'as le droit. Merci. Ça a changé d'avis très très vite. Piqué. Je vais faire quoi, Heimdall? J'ai mis clou en premier. Vas-y, on valide clou? Oui, largement. Yes! Non, je déconne. Oh là là. Ok. Tu sais que je suis deck parce que j'ai voulu bait vers clou en me disant, bah tiens, piqué, ça aurait pu. Ça va pas être ça. Bah ça aurait pu. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu. Est-ce que tu. Avion, tu veux qu'on le valide? Avion, méduse. Après, je sais pas, moi, oiseau, je me dis. Moi, là, c'est avion plutôt. Bah, avion, si tu veux, on valide. Et après, on le valide. Oiseau qui s'appelle le piqué. Ok. Ouah! Chaud. Est-ce que on finit de deviner là? Et parce qu'ils ont encore 4 cartes à deviner. Ah non, en fait le problème c'est qu'ils connaissent. Enfin, logiquement, ils ont plan et carte. Et potentiellement ils ont 2 autres à trouver. Le seul autre mot qu'on n'avait pas, c'était BD. Et je vois pas quel mot ça pouvait être en rapport avec ça. Avec tout ce qu'on a eu. Ouais, après peut-être que c'est une des cartes qu'ils ont sélectionnées et qui sont tombées sur nous. Quoi? Mais. Est-ce que tu veux tenter un clutch? En vrai, pour le beau jeu. Oiseau ou méduse? Je sais pas. L'attention. Pour moi, il faut mettre voiture ici. Un bébé. Ouais. Non, vas-y, choisis Heimdall. Oh, salaud. Ouais, je... De toute façon, vous avez... Quoi? Mais putain, parce que l'avion c'était avec BD, c'était pas avec Piqué, ça a aucun mais sens. Mais non, c'est pas ça, c'était Lune avec BD et après ils l'ont deviné avec Minuit.
Et du coup, après, quand j'ai mis... En fait, en gros, j'ai mis piqué pour clou et méduse. Et au moment de valider, j'ai fait « Putain, mais un avion, ça fait en piqué aussi !» Sauf que j'avais déjà validé aussi. Deux. Et du coup, je me suis dit « Putain, pourquoi j'ai pas mis trois ?» Et en fait, vous avez quand même deviné. Mais vous êtes incroyable. Vous êtes fort, en vrai. Parce vous êtes que... si fort. Par contre, nous, vraiment, on a plan et carte. Depuis le début, on est en mode « Ouais, plan, carte, ah oui, ouais. plan et carte, ouais !» Je suis au fond. Attends, et Flamme, c'était dans Secret ? En fait, non, Flamme, c'était merde. En fait, c'était dans Épicé aussi. Épicé, moi, j'en étais sûr. Genre, bah ouais, Flamme. Il y avait Samouraï. En fait, j'ai voulu mettre en deux parce que si j'avais mis trois, j'ai eu peur que vous partiez un peu loin. Du coup, j'avais mis deux pour safe. Mais en vrai, il y avait Flamme, Samouraï et du coup, Goût. Plan et carte, bah, il y avait la position. Mais du coup, le physique, je sais pas trop position. Incroyable. Physique, ça aurait peut-être plus des postures, je sais pas. En fait, c'est bizarre. J'ai pas compris le raisonnement, c'était pas le plus logique. Ça juste pouvait venir, mais ouais, je sais pas. Bah, quand j'ai vu Passage Secret, j'avoue, je me suis dit au nu. Ouais, là, ça c'était terrible. En fait, j'ai pas commencé par le meilleur mot, j'aurais dû commencer par épicé, ça aurait super bien ouvert. C'est mon start en fait. Après, quand ça serait éliminé, ça aurait été mieux, le secret. C'est mon start. C'est le starter. Qui est un peu plus bancal. Voilà, en tout cas, pour les gens qui connaissaient pas. Vous avez été vraiment très très fort. Il est trop bien ce jeu, hein. C'est trop stylé. Beaucoup de chance en tout cas, c'est cool. Ouais, merci, par contre, Eldal, merci. Pourquoi t'as dit oiseau, ça pas oiseau, alors que oiseau piqué fin... Je sais pas, je vois pas, enfin, un oiseau en piqué, oui, mais ça fait des piqués pour... Oui, mais la méduse a plus d'intérêt. Méduse, vraiment, ouais, mais par rapport à l'avion... Non, BD, c'est pas interdit, non. BD, c'est pas interdit. Bande dessinée, j'aurais pu mettre bande dessinée, mais enfin, on va quand même pas, voilà, mais bande dessinée, tu peux le mettre, hein. C'est absolument pas un mot interdit. Parce que genre, par rapport à l'avion, un avion, c'est plus logique qu'il fasse un piqué qu'un oiseau. Ouais. Oui, moi je trouve. Ouais. Mais oui, ça se rejoint quand même. En vrai, ouais. Ouais, mais oiseau plus avion, tu mets volant, pas piqué. Oui, mais moi j'avais clou, méduse et avion. Et volant, ça aurait pu être. Non, mais vous avez bien joué. Non, mais oui, mais bande dessinée, c'est un mot. En fait. Oui, genre, oui, gros, BD, oui, c'est autorisé, évidemment. Bande dessinée, oui, c'est un mot. Évidemment, évidemment. Tous les mots composés, c'est good. Mais de toute façon. Les mots groupés comme en fait, ça, c'est. En dehors de ça, mot, on en a rien à foutre et on accepte BD parce qu'on a envie de s'amuser, en fait. Et non, mais même au-delà de ça, c'est. De toute façon, on a tous des méthodes de pensée différentes, tu vois. Et du coup, il y aura toujours en mode ouais, mais ça non, ça oui, ça non. Enfin, on s'en fout, quoi. C'est... Oui, mais genre, Lunatic, qui joue énormément à Codenames, il a toujours dit que les mots composés, c'est bon. Genre, c'est comme. Oui, je suis d'accord. Faut que je 100% trouve un autre mot, mais genre en gros c'est un mot composé mais c'est valable sur regarde genre quoi. Est-ce que parc d'attraction ça marche, c'est chaud ça. Manège quoi, mais ouais, mais c'est ça qui est stylé dans le jeu, c'est que tout le monde pense différemment, c'est ça qui est trop bien, en vrai. Oui, puis de toute façon c'est les joueurs qui se mettent d'accord, c'est s'il y a un joueur qui dit que ça passe pas que ça passe pas, tu vois. Ça reste un jeu de société, les jeux de société, les règles ont toujours été Gorotag. De toute façon, ils ont même pas trouvé Gorotag là. Gorotag. Et pour faire deviner Tintin, j'aurais très bien pu dire Milou, que ça aurait été pareil. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on change les espions, les équipes, des trucs? On va changer les espions mais on peut garder les mêmes équipes, voir si vous nous obliterez en BO3 quoi. Ouais, carrément. Tu vois. Ouais, je vais aller faire deviner les mots. Moi je veux bien. Allez, Wingo, si ça te va, Pompon. Vas-y, go espion, mec. Vas-y. Comment on fait? Ah oui. Bah, ça y est, maintenant vous pouvez. Trop pardon perché pour dire deviner. Et qu'est-ce qu'on mots. Fait? Est-ce que vous restez en vocal et vous trouvez les mots dans votre tête et vous les mettez? Ou est-ce que. Moi, ça me va. Oui, ok. Oui. Ça enchaîne. Tout à fait. Alors. Hashtag Blaireau. Hashtag Blaireau, bien sûr, dans le chat. J'ai pas de signe de pétition. Je vais cacher mon chat. Oui. J'ai le chat aussi à tout. Ah, je connais aucun mot. Oh putain. Je connais aucun mot, mais qu'est-ce qu'il raconte? Merde. Ah, oh, j'ai pas appris. Ah ouais. En vrai, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous isoler. Hein. Enfin, moi, j'avoue, dire les termes à l'oral et tout, ça m'aide. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça, Wingo. En vrai, il n'a pas besoin de Wingo. Bah, après, on s'est fait oblitérer quand même, frérot, donc. Un peu. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas pris assez le temps. Enfin, vous n'avez pas pris assez le temps de. C'était dur quand même, parce que tu vois, genre. Non, mais je dis ça, c'est dur. Même moi, mon premier mot, il était un peu ambigu, du coup. C'est lequel, celui qui nous a ruiné. Tu sais, où c'était les. Position. Ouais, position, le physique, instant, en mode c'est physique. Et je fais de quoi? Ben, c'est chaud en vrai. Position, tu vois. Par exemple, quand on parle souvent de position dans notre vie, c'est souvent physique en vrai. Hein. Position physique? Genre, bah ouais, ta position, tu te tiens mal ou j'en sais rien, c'est la position quoi. Bah, j'aurais mis posture. Oui, mais non, parce que du coup, il y aurait eu pas d'autres mots. Tu vois, nous, on part du principe qu'il y a d'autres choses. Genre, imagine, c'est physique et plan. T'es obligé de mettre position, tu vas pas mettre posture.
Mais enfin... ouais, bah, sinon j'aurais dû mettre localisation, ça aurait été mieux, je pense. Ah oui, ça c'est sûr, ouais, par contre. À localisation, on aurait mis carte, plan, c'est sûr et certain, oui. Ouais. Ouais. Mais après, c'est... on peut refaire le monde. Bien sûr. Et c'est ça qui est stylé avec ce jeu, c'est que des fois, on pense à des trucs dans notre tête auxquels personne ne pense, tu vois. Mais en fait, ouais, des fois, je trouve le mot et tout, ça me paraît bien. Et en fait, je me rends compte qu'il y en a un, finalement, ça... qui est de l'équipe adverse, et t'es là, oh merde. Bah, c'est ça. Bah, c'est ça. Et tu le vois après, tu le vois après coup. Toujours. Toujours. Bah, c'est chiant. Ah, j'ai une idée, mais je sais pas si ça peut, si c'est un seul. Alors, dans la règle, juste pour info et juste pour les prochaines fois, dans la règle dans les règles officielles du jeu, genre, il y a du coup dans mon chat qui a le papier, genre le jeu en physique, vous pouvez décider d'autoriser les mots composés qu'ils soient écrits avec ou sans tirer. Voilà, c'est ça, on fait ce qu'on veut, quoi. Okay. Pour moi, c'est tout est ok, genre, même parc d'attraction is ok, enfin, on s'en fout, tu vois. Bon. Juste voilà. Pas mot composé en mode. L'attraction, c'est quand même long. Mais c'est un peu abusé, mais faut c'est. Faut éviter de faire des phrases, quoi. Bah, genre par exemple. Avec ou sans tirer, quoi. Ouais, de toute façon, on est ensemble, hein, au pire. Ouais, tranquille. C'est le principe, hein. Are you. Bon, pas. Oh là là. Waouh. Ah, mais c'est sœur. Parti. Ok. Ah, c'est parti du coup. Ah, bah, ouais, c'est parti, mais de toute façon, c'est là. C'est pas moi, à toi. Du coup, j'aurais dit amour. Pour nous, là, c'est ça. Ouais. Ouais. Amour, mariage. Et la magie. La magie, je pense, la magie de. Le tennis, en vrai. Pour quand t'es fan de tennis. Quoi? Quoi? Toi? Ah non, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, je voulais pas faire ça. Ah, non, j'ai pas fait exprès. Aïe, 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 aïe. Non, mais j'ai pas fait exprès. Aïe, aïe. J'ai mis clic. Après, on peut refaire. Hein. Pour moi, c'est le mais jeu. Mais oui, quoi. On refait. J'ai vraiment pas fait exprès. J'ai mis clic, je suis désolée. Pour moi, c'est le jeu, quoi. Non, ou alors en fait, je suis trop désolée. Bah, un partout, on relance. Aïe, 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 comment vous allez faire? On fait quoi là? Bah, on relance du coup. Oui, on recommence. Remets en tant qu'espion du coup, Wingo. J'hésitais à le faire en 4. Et c'est toujours M. J'ai refait ce que Wingo a fait tout à l'heure, alors que moi j'ai des heures de jeu. T'avais mariage, t'avais rencontre et t'avais témoin. Ah putain, c'est juste un moi. Peut-être pas le mettre dedans. Mais du coup, faut pas que je me plante. Pour pas que je me plante aussi, faut. En gros, cliquer sur la carte et pas sur la main. En fait, si tu cliques sur la carte, c'est pour pointer. Si tu cliques sur la main, c'est pour la retourner en mode je valide. Ok, c'est bon, c'est noté. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Chèvre, camembert. Genre, si c'est ensemble. Je suis sûr qu'il y a une saucisse qui va être calée. Oh, il y a un Berlin. Il y a forcément une saucisse. Oh, il y a. Ah, ben Berlin et société. Il y a président, chèvre et camembert. Si c'est la même couleur, tu me sors un fronton et c'est win. Hein. Après, on sait pas malheureusement. Soda, liquide, oasis. Égypte, momie, oasis, sphinx. Ouais, mais ça se trouve, c'est pas de la même couleur et du coup, ah c'est non, ça qui va en être en dur, vrai, quoi. C'est ça le truc. Bah, c'est ça qui est trop drôle. Oh, j'ai droite. C'est toujours Mdal qui commence? Non, là c'est non. Ah, c'est Wingo, ok. Wingo. Tu vas quand tu veux, mon frérot? Oh, y a Astérix. Ouais, je prends truc, bien le temps, prends tout le temps, prends tout le temps. Putain, mais Astérix, il va aussi avec Égypte. Putain, en fait, il y a trop de trucs. Vous avez un peu la pression là ou ils ok? Pour l'instant, vous ça êtes va. En stress? Moi un peu. Bingo là, 183 BPM. 183, putain. Ça fait beaucoup quand même. 183 BPM? Sachez que pendant l'échappée numéro 1 que j'ai fait, pendant plus de 10 minutes, j'étais à 200 BPM. Voilà. En vrai, t'étais super en forme. Bah, grosso modo, si j'arrive à. Ça s'est trop bien passé quoi. Bah, si je vis jusqu'à 65 ans, c'est une chance inouïe. Hein. C'est vraiment. Après, si t'as des allergies, tu. Voilà, tu consultes. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tout, 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 tout. Franchement, entre Rail et Berlin, si c'est la même couleur, il y a des trucs à faire. Hein. Moi, je dis ça. Parle pas plus. ok, je vais pouvoir mettre une première. Vas-y mec. Je suis sûr qu'il a été chercher trop loin, il va mettre en 5 et tout. Non, si tu sors un truc en 5 frère. En 9. Les gars, j'ai tous les mots. Est-ce qu'on a le droit de mettre un déterminant? Non, faut mettre juste un mot. Hein. Ah ouais, c'est un mot, ouais. Ouais, c'est un mot. Oui, c'est ça, ok. J'ai trop de suspense c'est là. Juste un mot, ouais. Un mot ou. Un mot composer. Ok. C'est un peu dur de partir là-dessus. Putain, mais il y a trop de suspense.
J'en peux plus, mec. J'en peux plus. Merde. Deux secondes, j'arrive. J'arrive. Ouais. Ah, mais tu peux pas jouer avec mes émotions comme ça. Désolé. Mais que... Si tu veux, je le fais pour toi. Ah oui, oui. Enfin, j'avoue que tu peux voir les idées pour les autres aussi, c'est infâme. Ah, c'est ça. Ok. Je vais mettre ça. Ok. Et c'est comment qu'on... Ah oui, c'est là. Et okay. Tu choisis aussi le nombre... voilà. Oui, à côté. Ouais. À droite. Ok. Je sais pas si je pars loin, mais c'est pas grave. C'est possible. Ah. Alors, mon cher Ponce, bah, deux dentisserands, je pense que déjà, il y a peut-être un rapport avec un lien. Alors, je suis vraiment désolé de vous dire ça, mais je ne sais pas ce que veut dire tisserand. Bah, c'est un métier, c'est celui qui tisse des... Ah, c'est le métier dit. C'est, pour moi, c'est le métier. Après, t'as le droit de... Voilà. Tisserand. Bah, voilà. Dans ce cas-là, lien et coton, tu vois. Bah, lien, coton... Y'a quoi d'autre? Ouais, coton, pour moi, ça va bien. On se fait un coton? Ah, faut faire dans le plus logique. Déjà dans le plus logique. Il a mis en deux. Donc pour moi, c'est lien et coton. Le plus logique, c'est coton. Pour commencer, je pense. Vas-y, je la prends. C'est parti. Vas-y, prends. Let's go. Ok, c'est good. Et pour moi, c'est lien le deuxième. Je vois bah, pas après, rail, chèvre, camembert. Ouais, non, il a mis momie, en deux. Momie. Momie. Tu tisses un peu des trucs, hein. Ouais, non, je pense vraiment. Science, berlingote, mineur. Momie, tisserand. Non. Service, ouais non. Bon, vas-y, go, Gaulien. Je valide. Attends. Ah, c'est neutre. Ah, c'est pas ça. Ok, note, on note momie. Ok, t'as okay, peut-être c'est okay. Non, c'est pas. Tisserand, mais j'avais Allemagne. Littéralement oublié ce mot. Tisserand, ok. Ah, oh, bah là, c'est facile. Hein. Ah, c'est cadeau là. Beethoven. Berlin. Ouais, et... Europe. La bonne Sphinx. Logiquement, ouais, c'est les trois. Et le camembert... Beethoven, Berlin, c'est sûr. Ouais. Europe, c'est la question. Putain, j'ai eu un doute sur Beethoven. Les mineurs de charbon en Allemagne, vous en faites quoi? Ouais, surtout en plus de que... Bah, pour moi, les trois là, ils sont évidents. Ouais. On valide Berlin direct? Vas-y. Bah, okay. S'il n'y a pas Berlin, c'est grave. Beethoven. Ah ouais, carrément. Okay. Ah ouais. Et pour moi, ouais, c'est Europe. Hein. Europe, parce que après. Si c'est pas Europe, c'est rail pour rigoler à ce qu'a dit Ponce. Ouais, mais non, parce que. Oui, mais. Résidence, ouais. Non, même. Société, ouais. C'est une société. Ouais, bah, je pense que c'est Europe. En vrai, Europe, là, il n'y a pas de choix. Vas-y. Ouais, c'est bien ça. Joué, bien joué, bien joué. La facilité du trio, ça fait péter les plombs. Oui, Allemagne, mal, entre ouais. Berlin, Europe et Beethoven, ça fait bader, ouais, un peu. Mais bien joué, très bien joué. Y'a rien à dire. Père Emdal, bravo. Ah, j'ai un peu joué au jeu, merci. Pour Wingo, va falloir faire la même. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, nos pressions, bro. C'est en cours, là. Easy. Non, voilà. Les mots tisserand et tout, ça met un peu la pression d'ouverture, on va pas se mentir. Ouais, tisserand d'ouverture. Hein. Rouge, hein, évidemment. Ah. Et bah, ça, c'est assez intéressant. Donc. Qu'est-ce qui a disparu, mec? Atlantide 100%. Ah, je suis d'accord. Et après, le nez du sphinx. Moi, je pense pas disparu. Ah, l'histoire de mineurs disparus, c'est assez fréquent, par contre. Des mineurs qui disparaissent. Je veux pas dire, mais il y a écrit UE. Ou. Ah oui, et au niveau de la côte, après ça peut être... Non mais c'est la mer, mais je vais un peu loin. Non mais viens, on fait Atlantide déjà. Parce que si disparu, il n'y a pas oui, Atlantide, je quitte le FCF, tu vois. Pareil, allez, on va... Vas-y. Okay. Ok, c'est bon. Je reste dans le FCF. C'est bon, let's go. let's go. C'était à une carte de me faire têche, quand même. Ah frère, c'était chaud, ouais. C'était compliqué. On a une carte, quoi. Oublie pas qu'on a quand même tisserand en 1. Ouais, mais du coup, la histoire de momie, la momie, c'est disparu. Ben, est-ce qu'il ah, a dit... Tisserand a disparu. Est-ce que tu vois tisserand, il y avait momie dedans et finalement il m'est disparu dedans, ou est-ce qu'il y a vraiment un mot où c'est tisserand et un autre là où c'est disparu, tu vois? Alors tisserand est disparu. La chèvre de Monsieur Seguin.
Et mais quel est le rapport? Elle a disparu. Elle a disparu. Elle a vraiment disparu? Je sais plus l'histoire. Mais moi j'ai plus la ref non plus. Merde. Je peux taper ou pas sur internet la chef de Monsieur Seguin ou pas? Je pense que ça devrait aller oui en termes de recherche. Mais non, t'as pas le droit de faire je la chef. On a pas le droit, on a pas le droit. Mais non, t'as pas le droit. Ah ok ok, pardon. Bah non. Sinon c'est comme le dalle de lentilles corail avec Antoine qui n'a pas trouvé. Oui c'est vrai. Oui. Mais d'ailleurs mais du coup c'est quoi l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, vous vous en rappelez? Même pas. Je sais plus, elle s'est fait bouffer par le loup. Bah donc elle a. Bah déjà on va procéder par élimination. Qu'est-ce que ça peut ça. Ne pas être? Déjà ça peut pas être secrétaire, liquide, oasis, service. Après service ça peut être. Bah oasis. Il rend un service quand même. Mais quoi? Non mais tisserand c'est un métier, donc un métier... Il ah ou société, hein, il fait partie de la société. Hein, hein. Oui bah oui, mais l'oasis, quand tu t'approches, il disparaît, parfois. Ah, oh là là, il a été si loin avec les mirages. Non, il aurait mis mirage, oh, mec. Putain. Ah ouais, ouais, non, là, ouais, là, ouais. Ou un truc comme ça, je pense. À moins que Wingo ait vraiment un cerveau étonnant, mais... Viens mec, on met momie. Mais j'ai envie. En viens vrai, comme ça, on enlève le doute. C'est... Mec, c'est la carte noire, c'est game over, mais vas-y. C'est maintenant. Yes! Oh, c'est ça, let's go! Yes! Ok, du coup, est-ce qu'on finit de deviner ou est-ce qu'on enchaîne? Parce que tu vois, est-ce que Momi c'était tisserand et disparu? Ah, oh, vas-y, stop, en vrai. Vas-y. Non, j'ai envie de clutch, ok. Ah non, non, non. C'est pas moi. Désolé. Non, mais après, tu m'as dit on arrête et j'avoue. T'as bien fait. Tranquille. Joueur safe. Safe. Toi, tu carries mon mental, moi, je te rends safe. Safe. Ok. Ça me fait trop plaisir de jouer à Codename, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas joué. Bah, tu kiffes alors, Wingo? Le site est, le site est bien. Et le site est propre. C'est bien mais fait, quoi. Tu sais qu'on nous le l'avait... Site est trop propre. On nous l'avait envoyé parce qu'on jouait sur Tabletop Simulator, sur Steam, et les créateurs de Codenames nous avaient contactés pour nous dire bah, en fait, c'est un fake sur ce quoi vous jouez, nous, on a un site officiel. Et on mais oui, en plus, c'est illégal. C'est un fake. Enfin, on le savait que c'était un fake. Oui, c'est illégal, quoi. Le sujet, c'était que c'était illégal. Et ça, c'est un site officiel de Codenames. Spéléologie en deux, mineur. Astérix, c'est son métier. Je crois qu'il y a Sphinx dedans. Bah, je sais possible, pas, j'hésite hein. à le mettre dedans aussi, mais... Est-ce qu'il y a science, c'est une... Bah, spéléologie, c'est dans le terme, quoi. C'est une science. Logie, c'est la science, non? C'est smart. Franchement, ça, c'est smart. Pétrole aussi, hein, parce que Kalen, du pétrole hein, dans les profondeurs et tout. Kalen, logie, c'est la science. Oui, logie, ça veut dire ça. C'est quand quelque chose de... Donc, peut-être pas Sphinx, du coup. Bah, en vrai, c'est un rapport avec quand même l'ancien Énergie. Et tout, les sphinx en, et tout. Non, franchement, ça peut. Non, pas trop, il y a beaucoup fait. De mots possibles en réalité là. Parce que le sphinx, il est pas sous terre. Mais pourquoi il parle autant au nu alors que c'est pas lui de pique ça me ouais, fait Oh putain de merde. Il parle plus que vous deux. Ça dure en erreur. Plus il parle, moi j'ai envie de cliquer sur sphinx quoi. non, ouais, en vrai, je suis d'accord pour les deux. Ça me paraît le plus logique comparé à tout le reste. Alors, je recheck tout. Après, il y a des trucs genre le spéléologie, c'est le fait de. Elle est sous terre, on est d'accord. Ah non, c'est pas que de l'excavation, j'avoue. Elle est dans des grottes. Oui, du coup, il n'y a pas du tout sphinx en fait. Écoute, j'ai complètement confondu avec archéologie. Ah! Et je viens de tilter que en fait, c'est spéléologie. Ah ouais, spéléologie, c'est ça. Du coup, ça c'est reste une science quand même. Ouais. Et du coup, mineur, moi, ça me semble tout à fait adopté, ouais. Ouais, alors archéologie, mineur, j'aurais pas mis oui, tu vois. Mais là, pour spéléologie, ouais, clairement. Ouais, mineur, on valide. Ouais. Bah, c'est obligé, oui. Parce que, tu vois, si c'est pas le cas, ça veut dire que Heimdall a vraiment giga mal joué. Du coup, c'est science, parce que sinon, il aurait pas mis spéléologie pour mineur. Tu sais, il aurait mis genre pioche, enfin, tu sais, il aurait mis n'importe quoi d'autre, quoi. Après, il y a masse. Pour nous faire deviner spéléologie, c'est sûr que c'est science qui lui a fait tourner le mot comme ça. Ouais. Oh là là, c'est bien joué. Est-ce que vous enchaînez sur un autre? Sur un autre, je pense, hein, franchement. Sur un autre? Franchement, non, on a trop. Vous pouvez clutch Astérix? Non, mais franchement, c'est facile, vous avez tous les mots. Sérieux? Oh là là. Wingo, régale-nous. Ouais. Wingo, s'il te plaît, Wingo. En vrai, 3, si derrière ils ont un mot en 3, ça peut. Après, c'est juste la run, quoi, malheureusement. Physique. Ah oula, non, le remake. Position. Ouais, le retour. La masse physique, je suis d'accord. Bah, la masse en physique. Avec la physique. Et du coup, liquide aussi, potentiellement, ça peut. Parce que, bah, on va parler de. Si on est, genre, tu sais, la physique, genre la science de la physique. Un état de la matière. Bah, je pense que moi, je mets un petit gaz sur liquide quand même. Ok, physique.
En vrai, liquide, masse, physique. Oui, c'est vrai que ça sonne physique. Hein. Ah ouais. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est les deux. Et derrière, alors, camembert, lol. Chèvre, lol. Rail, lol. Non, Sphinx, non. Lol. Côte, lol. Plat, lol. Pétrole, bon. Bon. Ouais, non, vraiment pas trop. Il Asterix, a dit en deux. Non. Vas-y, Gomas, déjà, premièrement. Vas-y, tu le fais, c'est pas moi. Ok, let's c'est validé. C'est pas moi qui fais. Est-ce que tu validerais pas liquide de ton côté ou tu penses que c'est. Parce que pour moi, on est dans le domaine de la physique, là. Ouais, après, un physique peut se mettre au service de quelqu'un, tu vois. Genre d'un président. Non, je pense pas. Liquide, mec. Non. Non, vas-y, go liquide. Go liquide, go liquide. Tu valides ? Moi, j'ai validé l'autre. Je valide. Yes ! Ok, est-ce qu'on fait un troisième ou pas ? Pour tenter un clutch. Non, mec. À moins que. Attends, non, si, on peut. C'est quoi les mots qu'on avait au début ? On avait disparu. Tisserand, on l'a eu. Disparu. Mais Tisserand, il y avait momie, frère, c'est obligé. Et ouais. Mais du coup, il y a un truc qui a disparu. Parce qu'on a eu Lien qui était le Tisserand. On a eu momie qui était Tisserand aussi. Du coup, on a disparu et l'Atlantide, il nous en manque un disparu. Et potentiellement. Bah non, les momies, mec. Il y a des momies disparues. Aussi. Ouais, mais. À moins qu'il a voulu réinsister sur les mots qu'on n'a pas trouvés. Franchement, la chèvre de Monsieur Seguin. Non, mais il nous trouve un truc. Vas-y, franchement, tente. Oh, président disparu. Pourquoi ? Ben ils sont pas tous disparus. Il avait mis. Non, ils sont pas tous, mais il avait mis UE. À moins que ce soit. Non, après, mais viens, on grid pas en vrai. Ouais, mec, en vrai, tu peux mettre genre pétrole disparu parce que j'aurais bien plus quoi. Non, vas-y, joue. Parce que là, dans. C'est pas dans 20-30 ans là, c'est des dans. Jeux, il y aura plus de code bientôt, hein, c'est disparu. C'est dans 3-4 ans quoi, il y en a. Non, mais je pars beaucoup trop loin, moi, pour arrêter. J'adore le pétrole, dans 3-4 ans, il y en aura plus. The opponent spy master is playing. Wait for your turn. Okay. Pas mal. En vrai, si vous l'avez en 3, vous êtes très fort. Après, il y a possibilité de choc hein, de leur côté. Non. Bah, leur équipe a l'air solide quand même en vrai. Oui. Ils ont beaucoup joué, j'ai l'impression tous. Bah, Ulti, elle est forte. Ouais, Emdal, il est super fort. Et Kalen, il est trop sympa. Nous, on a jamais joué hein, en vrai. Non, jamais. Mec, c'est un monstre et tout. Mais lui, par contre, il est vraiment sympa dans l'équipe. Vraiment cool en vrai. Et ultra souriant, le mec. Moi, de fou. T'es en stratégie, Emdal ? Ouais, toujours. Franchement, n'hésite pas à grid. Là, mec. Il veut faire les 3 d'un coup, là. Il fait les 3 d'un coup, mais c'est super risqué, les 3 d'un coup. Ouais, c'est risqué, mais c'est beau jeu pour moi. Ministre. Non. Oh, c'est tellement simple. C'est tellement. Secrétaire président ? Bah oui. Il y a société dans le ministre. Mais bien sûr que non. Ouais, non, je pense pas. Oui, c'est ça, je pense. Mais c'est obligé. Ah, en vrai, j'avoue, Emdal a un tirage sympa, là. Le ministre du pétrole, Route 96. Ouais. Mais Astérix, ministre de son village, non de ce que... On va lire ça, Kalen. On est pas censé parler ouais, de Hugo. Hein. Franchement, c'est fermé notre gueule. Mais c'est quoi ce tirage de fou oh et c'était oh pas secrétaire. Ouais. Oh pas secrétaire. Let's go, ils ont grid. Ah bah, société. Ah non, on n'a pas grid, c'était les mots qu'on devait trouver. Du coup, société, c'est à eux, je note. Mais c'est on n'a pas grid. Mais qu'est-ce qui. Mais Onutrel, vous trouvez pas qu'il dit n'importe quoi depuis tout à l'heure ? Si, il dit n'importe quoi. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. Hein. Société, j'ai écrit danger sur mon papier. Ok. Danger société. T'as comme ça sur ton papier. Société. Ah moi je prends des notes hein. On n'a pas le droit. Ministre, président. Ah, oui, escarpé. C'était peut-être et Kalen. Oh non mais. Kalen j'ai une idée de ce que c'était en fait. J'ai juste pas pourquoi j'ai mis ER. J'avais pas besoin de mettre ER d'ailleurs. Escarpé, une côte peut être escarpé. Oui. Un camembert. Un bon camembert escarpé là. Un sphinx peut être escarpé. Genre par le temps et pour je moi te le dis c'est après qu'ils aient deviné bah, ça. Il est escarpé, non ? Oui, de base. J'en profite pour aller faire pipi rapidement. Tu vois autre chose, toi ? Bah, escarpé, donc oasis, non. Service, non. Un service escarpé. Est-ce que tu as une expression qui dirait que le service est non, un peu... Je pense pas. But escarpé, bon. Non plus. Plat escarpé, ça veut rien dire. La pétrole escarpé. Non plus. Astérix, non plus. Pétrole. Il y a rail escarpé, pourquoi pas ? En troisième à la limite, mais pour je vois plus une côte et côte. Déjà, côte, pour le coup, tu peux côte, le valider. C'est ouais, côte, c'est good. Ouais. C'est validé, c'est bon. C'est bon. Exactement. C'est ça. Bon. Et le sphinx, en vrai, si du coup côte est validé, je pense que sphinx a un rapport direct. Un sphinx escarpé. Bah, c'est ancien, c'est escarpé, forcément. Comme la côte au bout d'un moment avec le temps et l'eau. C'est le même principe. Alors, je. Parce que quoi? Je vois pas qu'est-ce qui peut être escarpé à côté. À part peut-être. Non, mais les rails, c'est du métal, ça va pas s'escarper. Vas-y, sphinx. Pour moi, c'est Sphinx. Je fais confiance. C'est à moi de le faire. Vas-y, assume. Je prends la resp. J'ai pris la resp. Bah, bon, après, c'était non. pas eux.
C'était pas. Après, la définition d'escarpé, c'était quoi ta définition d'escarpé pour moi, c'est quelque chose qui est rongé. Escarpé. Non, ça, c'est l'érosion. Non, escarpé, ouais, mais... c'est entailler verticalement une montagne, un rocher. Bah, c'est, en fait, c'est quelque chose qui est en pente, quoi. Genre. Bah, un sphinx. Escarpé, un rocher pour faire passer la route, franchement. Un sphinx. Mais c'est la plus petite page de Wikipédia du monde, escarpe. L'escarpe est le talus intérieur du fossé d'un ouvrage fortifié qui regarde la campagne. Mais du coup, c'est quoi l'autre mot dans ce cas-là? Astérix? Ah, j'ai peut-être une idée. Ah, un chemin escarpé, devenir abrupt, difficile d'accès. Tu vois? Ouais, quelque chose qui j'avoue, arrête, je suis un peu en train de regarder la définition de escarpé, j'avoue. Ouais. Bon, du coup, on a toujours un truc dans Nistre. Alors, est-ce que tu... Kalen, est-ce que tu veux que... Oui, c'était quoi ton idée pour le ministre? Que je te dise ce à quoi je pense pour le ministre? Ah bah non, putain, il a été deviné pendant que j'étais pas là. C'était quoi? C'était côte, tu sais, genre je me suis dit côté président, à côté du président. Ah, non, sur les côtes du président. Ah ouais, ok. Non, pour moi, c'est société. Enfin... Service. Astérix, il a été président dans une BD, hein. Je dis ça, je dis rien. Astérix, président, service, ministre. En fait, pour moi, si ça avait été président, société, j'aurais mis France, tu vois. Après France, peut-être que ça m'aurait fait deviner. Astérix et Camembert. J'sais ouais, pas. Peut-être. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. De toute façon, on va voir le prochain mot. Hein. Mais par contre, en vrai, nos mots, je suis désolé. Hein. Momie, masse, liquide, côte. C'est dur. Hein. Oh, ça va. Coton, Atlantide. Ouais, je sais pas. Hein. C'est dur pour le pauvre Wingo. Oh non. Non, c'est trop facile. Arman. Non, c'est trop facile. Genre. Bah. Service. Bah, c'était peut-être service du coup. Et pour, Oasis. Genre, service au président, c'est le ministre, ah, ouais, quoi. C'est peut-être ça. Et, ouais. C'était quoi le mot pour côte, Atlantide et tout là? Escarpé. Pour côte et sphinx, ils ont tenté, c'était escarpé. Ok. Darman. Ah, en vrai, ouais, service, ça me paraît évident. Et après, je vois après, Oasis, plat, la boisson. Même. Il sert des plats. Ouais, mais c'est pas un barman. Ouais, ils auraient mis serveur du. Il aurait mis serveur du. Non, il aurait pas eu le droit de mettre serveur. Ah oui, mais non, t'as pas le droit de mettre serveur pour service, je crois. Ouais, t'as pas le droit. Et bah, du coup, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est plat. Ah ouais. Bah, je sais pas, ça marche aussi avec Oasis, de toute façon. Bah, c'est une boisson. Parce que c'est une boisson, c'est ça. Ouais, bon, je pense que déjà, il y a service. T'es d'accord? Ouais. On peut valider service. Bravo. Ok. En fait, il nous reste qu'un seul mot à trouver. Genre. En fait, il y a une chance sur deux, hein. Concrètement. En fait, je pense que président, ministre, c'était ça, service président. Et du coup, maintenant, il nous reste qu'un mot. Là, la question, c'est est-ce qu'il a mis barman parce qu'il n'avait pas le droit de mettre serveur et c'est plat, ou est-ce qu'il a mis barman parce qu'il sert justement quelque chose à boire et c'est Oasis? Mais c'est chaud. C'est dur. Ouais, en fait, c'est vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment là, ce que vient moi, de dire Ponce. Pour moi, faut passer. Je sais pas vous, mais perso, j'ai mute ONU. Non. Quoi? Oh là là. Oh, c'est ça. C'est pas vrai. Pourtant, il apporte beaucoup à l'émission. L'émission, quand même. Oui. On est à faire sur plateau, hein, par contre. Je suis en plateau, moi. Ok. Avec ma régie et tout, là. Et par contre, En fait, c'est exactement ce qu'a dit Ponce, en fait. Soit c'est vraiment un barman et du coup c'est Oasis, soit parce qu'il a pas pu mettre serveur et du coup il a mis plat, tu vois. En fait, je pense pas que ce soit plat. Okay. Parce que plat, en fait, on pense que c'est genre un plat en cuisine, tu vois. Et je le vois plutôt comme quelque chose de plat. Et du coup... Oui, mais après, dans Codenames, c'est un peu l'idée, mais tu vois, fait... de... Le truc, c'est que le mot d'avant qu'ils ont eu, c'était on pense à Gel Robuchon. Une fois, on a joué avec Antoine MV. Je crois qu'il y avait Angle Droit cette fois-là. Ah oui, j'étais là aussi. Et en fait, il y avait genre, il y avait le mot gel, et du coup, il voulait faire dîner en disant Joël Robuchon, Gel Robuchon. Et ça a vraiment marché. Et ça a fonctionné. Ils l'ont non, ça n'a pas marché. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Ah, je croyais que ça avait fonctionné. Mais... Non, c'était pas ça. Ok. Bah, vas-y, hein, je t'écoute, on met Oasis. Oasis. Oh. Go. Si c'est le mot. Ah putain, oh, merci. Et c'était quoi, nous, du coup, ce qui nous restait là? Donc, nous, il nous restait but, société et chèvre.
Ah oui, fromage, mais ça aurait pas marché parce que ça aurait pu être le camembert société. C'est ça, mais quand tu quand t'as dit, chèvre, mais ouais, mais le ministre, le service, j'ai fait, ça y est, c'est bon. Oui. Le liquide est parti, j'étais. Oui. Oh, c'est mangé tout. Escarpé, c'était quoi? Chèvre. La chèvre. J'en étais sûr. Une chèvre, et oui, ça, ça marche sur des trucs escarpés. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est... Ah ouais, allez aller loin, mais oui, je suis d'accord. Et en gros, ouais. Tisserand, au début, c'était coton et chèvre. Mais en fait, le truc, c'est que la chèvre est pas un mouton. En vrai, moi, j'ai tout de suite eu la chèvre. Tisserand, j'ai tout de suite eu la chèvre et le coton. Ah ouais. Ouais. En fait, ouais. Pour moi, j'ai mis tisserand pour que vous pensiez à coton et que direct derrière, vous soyez en mode chèvre, coton, c'est quand même assez bon. C'est que j'y ai pensé. Mais la chèvre, tu l'as dit, mais 10 000 fois. Mais oui. Et ensuite, par contre, société et but. Là, j'avoue que si vous allez mettre, si vous aviez mis plat, j'allais partir sur un sportif en 3, en mode la chèvre elle est sportive parce qu'elle marche à des endroits escarpés, une société sportive et mettre des buts, c'est quand t'es au foot, donc c'est un sport, quoi. Genre. petite last. Ouais, bah on ouais. On répartit les équipes. Comme ça, moi, je tournais. Ouais. Genre si là, vous... Kalen, ONU, Emdal, Shippy, Wingo. Allez, si vous voulez. Ok. Voulez. Et du coup, ah mais attends, il y a juste un problème parce que du coup, on a tous déjà fait deviner. Ouais. Ah oui. Ah est-ce bah si vous voulez, on répartit autrement. Hein. Non parce que du coup en fait, il faudrait juste qu'il y ait Ponce et moi et Kalen. Et Kalen. Pas deviner. Et bah rejoignez en tant qu'espion dans la team de votre choix. Moi, faut que je sois espion, je vais bleu du coup. On a dit quoi que je me mette avec. Et Ultia vient avec moi. Ouais, parce que du coup, hop, comme ça, j'ai un peu joué aussi. En équilibre. Ah là, c'est bien comme ça. C'est pas mal. Ouais. Vous avez laissé le chat quand vous étiez espion? Non. Ah. Oui, le chat quand t'es espion, c'est bon. C'est le quand t'es agent, tu mets mots. Ok. Ah oui, mais le en truc, vrai, c'est tu... que, du coup, bah oui, mais le chat, il peut te donner des mots de fou des pour aides, ouais. Faire des liens, tu vois. Ouais. Ben, en vrai, quand on joue à Codename, j'avoue, on laissait plus ou moins l'aide du chat, quoi. Genre on se base pas plus sur le chat, ouais. Mais... De toute façon, il n'y a pas que des trucs... Bah après, comme vous voulez, on peut mettre en émotionnerie. Hein. Parfois, vous trouvez les mots même avant eux. Hein. Oh, c'est dur. What the fuck? J'ai... Mais non. Attends, j'ai un mot pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Là. Oubliez pas qu'il faut pas faire découvrir les mots des autres. Hein. Ouais. Parce que là, je vois des trucs dans le chat, c'est bien, mais ça fait aussi instantanément pic le mot de la team adverse. Hein. En vrai, Ponce, écris tous les mots sous tes yeux. Écris-les tous. Ouais, de toute façon, je suis le joueur note. En vrai, j'ai ligne par ligne. Et après, tu fais des liens comme ça. Attends, je vais bosser sur un bloc-notes aussi. Ouais. Mais je pense... Alors, j'ai un mot, c'est... Comment on fait pour laisser une page toujours devant, vous savez? Ah, tu écris pas? Bah, je le mets sur un bloc-notes. Bah, en vrai, bon, comme tu veux, je sais pas. Moi, j'avoue, je fais des liens, tu sais, je fais des traits. Ouais. Faut un logiciel. Faut un carnet. Ah. Ok.
Mais moi, du coup, j'ai le même bloc-notes pour jouer à Codenames à chaque fois. Et c'est aussi de ce bloc-notes dont je me sers pour faire plein d'autres jeux en live, ou genre les énigmes, etc. Et là, il y a une page où il y a juste marqué Balkany en méga gros. Et du coup, je sais pas trop, je me rappelle plus trop de ce que c'était. Trouver Balkany, quoi. C'est genre... Genre, il y a un Ratus dessiné qui fête son anniversaire, un Ratus avec un ballon, et là, il y a marqué Balkany. Ouais, c'est si chaud. Piparalou papatata. J'ai très peu d'associations. Ah mais la game d'avant quand même, je me suis bien fait arnaquer par rapport à Imdal. Hein. De fou. Oui, c'est vrai que t'as pas eu beaucoup de chance. Rien que le Allemagne en 3 quand même, il était bien cloche. Oui. Hein. Non mais de fou. En plus quand il parlait d'Allemagne, il parlait de mineurs, j'étais en mode. Non, j'ai envie de tenter un truc de fou là. Vas-y, c'est à moi de jouer ? Oui. Ouais, c'est à toi. Ouais. Il semblerait. Il semblerait bien. C'est si dur. Ah ouais ? Ouais, c'est dur. Oh, il y a la laine, ouais. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, wow. Ah, rescapé, c'est pas mal. Rescapé. Mm. Hop, alors. je me mute comme ça, mots, je peux parler à les mots, je vois les mots, je comprends pas. Rescapé. Et pense à dire, c'est une dinguerie. Allemand. En 3, hein. En 3. Allemand, ouais. Bah pourquoi allemand ? Qu'est-ce qu'il y a rescapé allemand ? Ouais, mais. Alors, il y a quoi comme mot ? Bon. Est-ce que il peut être rescapé d'un. Pourquoi penser à allemand, rescapé ? Un rapport à la vie, je pense, rescapé. Pourquoi rescapé ? Je. Ah, ok. Merci. Quel rapport avec. Là, genre, là, non ! Toi, t'as rescapé. Non, mais quoi ? C'est sombre. Oh, c'est une catastrophe. Allemand uniforme. Mais d'un attentat, d'une bombe. Merci. Il y a merci, aussi. Merci, une merci, bombe, merci. Un attentat. Merci. Parce que allemand uniforme pour presque. Putain, dans ce vocal, vas-y, c'est bon, ça me casse les couilles. Attends, pourquoi t'as mis uniforme et allemand ? Bah oui. Non, en vrai, pourquoi ? Enfin, je suis d'accord, en vrai, hein, ça a aucun sens. Ah oui, t'es parti sur le reste. Je suis parti loin, mais moi, c'est. Oui. Ah oui, non, je suis parti. Ah oui, ah oui. C'est vrai que peut-être que miraculé, c'était mieux en vrai. Peut-être, ouais. Parce qu'il y a la vie, parce que bah du coup, si t'es rescapé, t'es. Merci, merci, ONU, bombe vie. Ah, voilà, merci, ONU. Écoute pas Emdal, écoute pas Emdal. J'ai mis voilà. Ending live. Oh, c'est la fin du live. La fin de live. Bonne journée. Une excellente journée, mesdames et messieurs. À bientôt. Ok. Bon bévis, ouais, ça me paraît pas con. Après, pour le troisième, parce qu'il y en a un troisième apparemment. Rescapé. Élan, mais ça me paraît un peu loin. Tu vois, l'élan en mode, bah, pour rescaper, non. T'as. Ouais, non, ça me paraît un après, peu loin. Après, il peut y avoir la langue de Lutti après avoir mangé une pizza, tu vois, par exemple. Après, non, je mais... pas, hein, je dis ça comme ça. Non mais franchement, vraiment juste comme ça par hasard quoi. Bombe vie de ONU, c'est propre hein. Et chance hein, chance en 1. Chicago. La 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 la. C'est vrai que moi j'en ai deux seulement, j'avoue. Bombe et vie, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, les deux me paraissent bien. Et chance, parce que t'as oui la chance aussi. Il a les trois. Il a les trois. Il a les trois. Donc je dirais bombe, vie et chance. Vas-y, on tente ça. Dans l'ordre bombe. Bombe d'abord. Ouais. Let's go. Vie. Vie. On le tente. Vas-y à toi. Let's go. Et par contre le dernier. Chance, moi, chance, tente, bah, moi, chance, chance, mais c'est un peu risqué. Mais non, c'est pas risqué. Genre, t'es tellement de chance. T'es rescapé. T'es, moi, du coup, t'as après, ta chance. Allemand et. Rescapé. Ouais, non mais allemand c'est uniforme. Un de quoi il me parle. C'est un peu deep. Je pense que c'est trop deep. De quoi il me parle. Allemand uniforme. Mais oui chance. T'es rescapé frère. T'as la chance est dingue. Oh. Oh là là. Oh la masterclass. Oh par contre on t'en prie. Oh là là, il est chaud. On stoppe là. Oh mec, elle est là. Bien joué, bien joué. Oh là, bien joué les gars. Bon bah là, je t'avoue, c'est ONU qui a tout fait là. C'est beau hein. Ah je te jure que... ONU Big Brain quoi. On pense pareil, j'ai l'impression.
Après, le mot de pont, c'est extrêmement bien choisi. Oui, non, c'est trop bien. Je mets bien. Ça. Avocat avec rescapé, bon. J'avoue que ça allait avec rien du tout, à part vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est ce qui me paraissait le plus logique. Vas-y, je vais mettre ça. Oh, ça tente en 4. What? Ok, alors attends. Je mets des trucs qui me passent par la tête. Ah ouais. Boule de glace, 100%, je pense. La boule de Chicago, tu connais? Boule de glace. Ensuite. Oh, je crois que j'ai vu le quatrième. Oui, je l'ai aussi. Après, il peut y avoir... je mets tous les trucs qui ressemblent à une boule. Les Allemands. Je suis pas sûr. Est-ce qu'une boule de laine? Je pense pas. Hein. C'est quoi? C'est une pelote, c'est une pelote, pelote de laine. Ça ressemble à une boule, hein, ceci dit. Une tête. Je pense qu'on peut faire une boule avec sa langue. Exact. Il fait des passes avec une boule, comme ça. Hop. Bon, glace, on va pas se mentir, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est glace. Ok, vas-y, nickel. Oh. Moi, après, en deux... Tu mises en boule quand t'en as marre, tu rentres, t'es fatigué, tu la jettes dans un coin. C'est dangereux de mettre boule en quatre, parce que du coup, t'as envie de mettre tellement de trucs, quoi. Ah, et du coup, c'est dangereux, c'est agride sur les derniers. Après, honnêtement, de toutes les choses qu'on a mis qui ressemblent le plus à... Chicago, l'équipe de basket, c'est pas les... Bulls. Oui. Chicago Bulls. Vrai, Chicago Bulls. C'est très loin, ça. Mais avoue que si on dit boule, orange et perle, c'est littéralement des ronds. Oui, enfin, alors je mettrais peut-être perle en premier. Ok, vas-y, go. Je te trust. Okay. Vas-y, je mets orange. C'est pas ça. Ah, c'était blanc. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y en a deux autres. Donc du coup, ça peut être avocat, œuf, laine. Le Chicago Bull, il est incroyable. Mais ça se trouve, c'est ça. Putain, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Mais en vrai, déjà, si on sait ça, c'est pas mal. Le boule une en orange, quatre. C'est plus une boule qu'un œuf. En fait, j'ai peur, je me mute, hein, vous en faites pas, je suis muté, ils m'entendent pas. J'ai peur qu'avec procédure juridique, ils mettent uniforme en fait. Pour sa défense, je pense qu'il l'a plus pris pour la coupe. Parce qu'une démarche auprès d'un avocat, faut y penser. Hein. Parfois, il pose une planche sur une procédure boule, juridique. Après, je peux tenter quand même un bonnet. Parce que bonnet, il n'y a rien d'autre que laine et tête. Je vais faire bonnet en deux. Je sais pas, en France, il n'y a pas le col des boules non plus. C'est sûr, ouais. Passer en vélo. La ville de boules, ça doit bien exister. Bonnet. Ah. Bah du coup. Ah, déjà, moi j'en ai même deux qui viennent. J'avoue, j'ai tête et laine pour l'instant. Oui. Après, ça peut être uniforme aussi. Ça peut être. Tête et laine. Un bonnet, ça se met sur la tête et c'est en laine. C'est vrai, il n'y en a pas tant que ça. C'est la base. Vraiment les Chicago Bulls, je pète les plombs. Imagine, c'est les Chicago. Pour moi, laine et tête en fait. Gel Robuchon, le retour. J'ai retrouvé pas le clip choix. De Gel Robuchon d'ailleurs. J'ai peur parce qu'en fait laine ça peut être leur fameuse boule de laine, tu vois. Genre une boulotte de laine donc. Régie a retrouvé le clip. J'aurais pas mis bonnet. Déjà, peut-être c'est sûr. Peut-être, oui. Peut-être c'est sûr. On tente tête. Vas-y. Ouais, c'est bon. J'ai pas peur. Après, t'as pas peur, c'est bizarre. Ensuite, bonnet. Il a pas tort sur boule. En fait, bonnet, tu veux mettre ça avec quoi? Avocat. Après, bon. Ça peut être des gros bonnets. Et les gros bonnets, ça peut être, tu sais, les gens haut placés, mais je pense qu'il y en a pas là. Non, au nu. Non. Les gros bonnets. Mais attends, il parle de quoi? Il parle de Nibar là? Qu'est-ce qu'il dit? Déjà, il y a aucun mot en rapport avec ça, donc. Un bonnet. Ouais, est-ce qu'un élan est un gros bonnet? Tu vois, je connais pas la capacité intellectuelle d'un élan, donc. Mais quoi? C'est vrai que pour l'instant, je vois que laine. Mais oui, mais c'est peut-être que ça, frère. Mais uniforme, mais avec un bonnet, c'est bizarre. Il y a pas d'uniforme avec un bonnet. Enfin, moi, j'en vois pas. Non, je ne pense pas non plus. Postier. Tu mets pas de bonnet. Vas-y, go tenter laine, mec. Mais j'ai peur que ça soit eux, mais vas-y. Oh, c'est Vanou. Wow. Oh là, bravo! Fini. Bien joué. Bien, okay. Vraiment fort. Ça bon, j'enlève ça. Du coup, démarche avocat, pour moi, c'est procès. Ou alors... J'avoue que j'avais peur que laine soit... C'était pas orange, du coup. Parce que sinon, j'ai démarche et bière pour ivre, par exemple. Pas ça, je pense. C'est pas ouf. Basket. Mec, c'était les putains de Chicago Bulls. Non, Calen, le cerveau. C'était les putains de Chicago Bulls. Et passe. Une passe. Mais attends. Il y a un autre truc de boule. Oh, c'était les Chicago Bulls, je l'ai pété un cœur. Est-ce que tu me laisses le droit de all-in sur Chicago? Oui.
Oh là 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 là. Kalen, t'es en stream ou pas? Oui, oui, oui. Oh putain, je veux tellement voir ta POV. J'ai pas de cam, donc y a pas de réaction visuelle, mais... En vrai, passe. Tu peux y aller sur le pass, je pense. Bien joué. Alors, vis-à-vis des boules, il reste une boule à trouver, du coup. Divorce, en vrai, divorce, c'est des démarches avec un avocat. Divorce, je pense que divorce, c'est parfait, je pense. Je pense que... Je suis bien mute. Hein. Je pense que divorce, c'est parfait. Grain, c'est démarche avocat. Il n'y a rien d'autre, en vrai. La boule en premier, du coup. Mais ouais. Derrière, élan et bière... Vrai, wow. Vu l'esprit, je suis sûr que c'est ça. Putain, ça... franchement, il y a de grandes chances que ce soit l'œuf. Enfin, je sais pas ce que ouais, t'en penses. Orange, c'est plus une boule qu'un œuf. Bah... La blague. L'orange, la boule. C'est tout. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, non, mais là, si c'est ça, ça va beaucoup trop loin. Est-ce que tu veux safe? Élan et bière. Ben... Elle tient. Hein? Est-ce que tu veux safe ou... Sirop d'érable. Tu veux all-in sur... Non, moi, je pense qu'on va... Moi, je pense qu'il faut safe. On se tape là? Ok. Mais je garde l'œuf dans le coin de ma tête, quand même. Ouais, moi aussi, je garde l'œuf, ouais. Mais imagine, c'est pas ah ça, ouais. Tu vois. C'est rapide. Bon. Bah, moi, j'ai avocat, déjà, premièrement. Imagine, c'était boule, en fait, Chicago et passe. Tu vois, genre... Imagine, c'était genre, tu passes une boule, enfin, tu vois, et que Kalen, il s'est dit, bon, all-in, quoi. Attends. Après, ça peut être intérêt aussi. J'avoue que l'intérêt, il... Non, pas intérêt. Pas avocat, intérêt. On est sûr. Je pense intérêt. Que... Bah, avocat, c'est sûr. On peut go avocat. Voilà. Avocat, c'est les sûr. Les autres, c'est plus compliqué. Intérêt ou démarche, est-ce qu'il il peut y avoir autre chose? Divorce. Attends, démarche, non. Divorce. Brésil. Non. Vous en faites pas. ONU et moi, on est connectés de base. Gol. Vraiment, on est connectés. Non. Vous en faites pas. Ouais, grain, chemise non plus. Chasseur, non, c'est vrai qu'il y a uniforme. Soit intérêt. Mais du coup, est-ce que t'as vraiment... Tu veux faire un divorce par intérêt? Ça peut, mais... C'est chaud. C'est, non, normalement, c'est des démarches, hein. C'est des démarches auprès d'un avocat, hein. Ah, ça dépend. Mais, ça dépend. Bah, c'est ça le truc, c'est que ça dépend. Ah, c'est des démarches, non, ça c'est sûr. Démarches. Intérêt, ça dépend, démarche, c'est sûr. Démarche. Pour moi, c'est une démarche. Après... Démarche, mais je garde... Franchement, intérêt... Mais non. Garder, fort, je pense. Tu préfères quoi? Démarche ou intérêt pour celui-là? Démarche, on est d'accord, c'est ça. Vous êtes en masterclass, hein? Du coup, je pense qu'il a mis deux, et donc je pense qu'on a eu les deux qui pensaient, donc on va pas griller. Non, ouais. Arrête. Il nous en reste quatre, bon, il leur en reste deux. C'est la merde. En vrai, sache que si jamais il y avait intérêt, tu peux mettre deux, et tu mets un mot vraiment juste pour celui qui sera visé. Ça donne des conseils? Bois. Bah, c'est des conseils. Tu bois de la bière. C'était ça. Tu bois putain. De la bière. Non. La fou la boule. Et il y a du bois sur l'élan. Bon, t'avais raison, je suis désolé, Wingo. Ah non, mais ça change rien puisqu'on l'a maintenant. Bah mais, oui, mais du coup, il y a planche. Trois mots, quoi. Après, planche, c'est blanc. On a de l'avance. Planche, c'est blanc. Un élan. On a la même taille. Exactement. Grain. Les poulets au Brésil, il y en a masse. C'est le premier exportateur de poulets. Ouais. Est-ce que c'est grain? Genre, non, on n'aura pas d'avance. Élan et bière. Chasseur, moi, ce qui me fait peur, c'est uniforme. Là, ce qui me fait peur, c'est planche. Qu'est-ce que je peux avoir aussi? Élan et bière. Bah, en fait, il n'y a rien d'autre que grain qui passe pour poule. Allemand, bière, intérêt, uniforme, chemise, grain, Portugal, ouais. Lent, col, planche, Brésil, élan. Je suis d'accord. Je mets grain. Ouais. C'est bien joué ça de votre part. Mais attends, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Attends, on a eu quoi? On a eu. On a Canada. Pour la mais Canada. Ils vont jamais trouver bière. On met pas œuf. Et Canada. Après, il a rattrapé ils vont le fait limite qu'on mettre pas Portugal ou Brésil en mode il y a un pays, tu vois. Je pense qu'on peut rien faire de plus là. Ça fait chier parce que du coup ils vont trouver. Ils nous en restent deux. Assure, assure, assure. C'est bon. C'est chaud. Hein. Ouais, moi je pense en descente, mais pourquoi descente? Kalen nous permettre de finir. Élan, dans la descente, t'as de l'élan et descente, tu descends okay. Une bière. Allez, pense, c'est masterclass maintenant. Descente, il y a colle, hein. Il y a colle. Tes mots étaient insane déjà, donc je tiens à le dire. Le fou la boule, ça veut. Par contre, Kalen, il a été chercher tellement. Sinon, loin, en vrai, Noël. En vrai, Noël, il y a rien d'autre. Genre planche, colle, Brésil, Portugal, chemise, uniforme. Uniforme du Père Noël. Avec boule, si vous voulez aller très loin, il y avait même grain qui pouvait être considéré dedans. Quoi. Bah ouais, comme une boule, c'est ça. La bière de Noël. Bah oui, la bière de Noël, c'est vraiment hein, la bière de Noël.
Tu penses tu triches à lire le chat? Non, 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 on a dit que c'était. On a dit qu'on pouvait. Merci l'utilisateur anonyme souci. Pour le subgift à Chicago Bull. N'en faites pas, on l'a dit. Merci beaucoup. Pas de soucis. Merci à vous. Oh, une corne. Corne. Tu peux boire de la bière dans une corne et l'élan. Ah là là, je suis sûr qu'il est en train de trouver le mot ultime qui va nous permettre de trouver directement la corne, solution. Corne, c'est pas mal, hein. Noël, c'est mieux que corne. Est-ce que... Mais en fait, nous, on a tout trouvé ce qu'il voulait en deux, je pense. Donc, en fait, il n'y a pas de... Déjà, qu'est-ce qu'on ne devrait pas mettre? Jägermeister, ouais, mais Jägermeister... Non, je vais tenter corne. Je vais tenter corne, en vrai. En vrai, ils ont trouvé tout. Parce que Noël, il y a uniforme. Alors que corne, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Je tente corne en deux. Je tente. Corne. Franchement, dans cette game, il y a eu assez peu d'erreurs du côté des deux teams. Non, c'était propre, hein. Corne. L'élan. L'élan. Déjà. Exact. Et ensuite, c'est là où c'est plus compliqué. Corné. Oui, il y a peut-être un truc avec corné. Oui, mais c'est pas des cornes, c'est des bois. Est-ce que du coup, le intérêt, t'es compris dedans, et mes cornes vraiment juste pour l'élan? Bah, je pense qu'il y a l'élan. Non, Emdal, tu trolls, par contre. Arrête avec intérêt. C'est pas tout à fait des cornes. Mais il troll. C'est pour ça, on sait jamais. Mais je pense que oui, je pense que... De quoi? Ou est-ce que tu mets pas ta... Genre... Popcorn Festival, dans quoi vous avez déjà bu de la bière? Dans une corne. Oh, oh si, ça, si c'est ça, c'est vraiment loin, mais... Mais en vrai, tu peux boire, effectivement. Oh là là. Allez, attends, allez. Mais attends, corne. Regardez, allez. Corne. Non. Intérêt? Corne. Corné? Ah, non, j'ai pas mis corné, j'ai mis corne. Ouais, non, je sais même pas... Ouais. Pas sûr. Allez. Le col, il peut être corné, le col? Non. On peut garder le chemise dans un coin, mais pour moi, pas très sûr. La bière, Portugal. Je pense pas. Brésil et Portugal, corne, je vois pas du tout. Non. Langue. Non. Élan, on est d'accord. Je pense élan, c'est le plus... Élan, c'est sûr. Élan, enfin, j'espère. Oh, je stresse. On va le tenter. Ok, il en manque plus qu'un. C'est maintenant. Pour moi, c'est la bière. Si c'est la bière, c'est une belle ref, franchement. Pour moi, c'est la bière. J'ai envie de tenter ça aussi, parce que pour moi... De toute façon, on est là pour beau jeu. Faites-le. Let's go. Yeah! Oh là là, le sans faute! Il est masterclass le mot de la fin. Oh là là. Ouais. Donc, j'ai pas porté l'intérêt du coup. Oh, waouh! Et franchement, je suis trop fier parce que c'était pas simple, je trouve. Mais pour les deux. Le mot était vraiment super dur. Mais des deux côtés, hein. Il nous manquait intérêt et langue. Ah ouais. Heureusement que j'ai pas pensé à intérêt en un peu plus. Ouais, quand t'as parlé d'intérêt, je t'en vais aller, vas-y, clic. Oh là. Et vous m'avez régalé sur le premier mot rescapé, hein. En 3. Ah bah ouais. Chance vie. Ça avait été tellement fort. En Emdal, t'as sorti allemand dès le premier truc alors que c'était la carte noire. C'était la carte noire, ouais. Waouh. Non, c'était. On se souviendra J'avoue que moi, je me suis dit que comme il y avait 3 pays, la carte noire c'était forcément l'un des 3. Ah oui, il y a cette méthode, j'avais pas pensé à ça. Il y avait trop de... Le truc, c'est que quand t'as trop de mots qui ont une corrélation qui est proche, du coup, tu sais qu'il y en a, y en a un qui est noir. Et Kalen, est-ce que réellement, les Chicago Bull et l'œuf ou la boule... Ah oui, Kalen, il y a des explications pour Chicago Bull. Pour moi, au début, c'était perle, œuf, grain et boule. Et je sais qu'il y avait orange, mais je me suis dit... Bon, ça peut passer. Et après, dans mon chat, quelqu'un a dit, mais attends, ça se trouve, ils vont penser à Chicago Bulls. Et j'étais en mode, c'est impossible. Ça pas c'est impossible. Ah, et c'était bien tenté. C'était incroyable. Ah, c'était... Un vrai moment. Ah, c'était un truc. L'œuf ou la boule. C'était classe, ouais, pour boule. En plus, il y a eu poule pour moi, donc c'est parfait. Poule. C'est vrai. Mais là, au nu, on était connectés, hein, putain. Ah oui, je mettais des trucs, j'étais. Moi j'avoue que la bière je l'avais pas. C'est Emdal à la fin là, la ouais. Bien joué Emdal hein, sur le clutch, bien. Ouais. Vraiment, écoutez, 3 games, 3 loose de mon côté. Win pour moi. Voilà, bravo. 100% de win rate. Ah Emdal, trop fort. Moi c'est ma première partout victoire. Je suis allé, j'ai apporté seulement la déception et. Non, tu peux pas dire ça, bro. Non, tu restes un pote, hein. Ouais, heureusement. Super sympa en plus. Enfin... pas trop avec toi, mais ouais. Oui, bah. Vous voulez faire une petite last? Une very last? Very, very last? Golden? Peut-être? Golden last? Moi, j'avoue que je suis vraiment un peu dead. Oh bah, stoppons, hein, c'est tout. Tu n'avais pas train sur Mario Kart?
Ah, il est 17h30, hein. Ouais, bah en fait, Mars m'a envoyé un message pour me dire de train avec Thunder et Play parce que c'est avec eux que j'ai train, mais le truc, c'était plutôt le côté... Enfin, genre là, je vais pas demander à Thunder et Play de se rendre disponible, quoi. Oui, oui. Oui. C'est surtout ça, quoi. Mais t'inquiète, il y aura des sessions training en team. Mais du coup... Il y aura des sessions en team, t'inquiète. Bah ouais. Par contre, c'est vraiment à refaire, Code Names, hein, je pense. C'est trop bien, Code Names. Cool, ouais. Ouais, c'est stylé. C'était trop, trop bien. J'ai trop kiffé. Ok, trop bien. Trop bien. C'est super, super top. Super, quoi. Super. Alors, hop, allez. C'est top, cool, ouais. Tip top. Ouais. Non, c'est vraiment cool, quoi. C'est génial. Sympa. On n'aurait pas joué. Super, les gars. Allez. Non, mais du coup, bah, merci beaucoup, la team, pour aujourd'hui. C'était un pur plaisir de pouvoir vous retrouver. Moi, ça faisait longtemps, là, du coup, que... De fou. J'avais pas trop pu être après, là. Après, en vrai, tout, nous aussi, au final. C'est... Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Bah, au final, ouais. Avec... Ouais. Ouais. Ok. Je suis d'accord. Du coup, vous avez pas forcément trop fait de session ces deux dernières semaines. Pas avec Ultia, c'est vrai que... Pas avec Ultia. On a fait un peu avec Rive, une fois, je crois, Rive. Non, Rive qui était là. Putain, j'ai raté Rive qui était là. Il y a deux semaines, ouais. Il veut plus jouer avec nous, Rive. Ah, bah c'est parce que j'étais pas là. Ouais, malheureusement, on s'est brouillé avec Rive, c'est dommage. C'était un bon pote. Ouais, c'est dommage. Bah pourtant, c'est un mec sympa. Hein. Ah, peut-être, quoi. Ouais, encore. Ok, trop bien. Bah, les amis, merci beaucoup. Je vous fais des bisous. À plus tard. Prenez soin de vous, surtout cette principale. Bingo. Et grande vie au blaireau. Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Allez, ça avance. Ciao. Bisous. Ciao. Ouais. Alors, nous sommes quatre, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, Ultra s'est muté et tout, du coup, je sais pas trop, elle est peut-être partie en même temps. Il nous déteste. Juste, je précise qu'on était sur un site internet pour jouer qui s'appelle codenames.game, pour ceux qui se demandent. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit et tout, je vous le mets dans le chat si jamais. Parce que vraiment, le jeu était vraiment bien. Hop. Et c'est officiel en plus de ce qui était dit. C'est le jeu officiel, ouais. Ouais, ouais. C'est et t'as la version jeu de société qui existe aussi pour. Ouais, bien sûr. Pour vos soirées entre amis. Oui. Non, bah écoutez, moi je vais vous laisser là. En vrai, il est 17h30. Ouais. On n'a pas trop le temps de se. Mario Party, ouais, mais Mario Party. C'est long, ouais. Pas vraiment fin de game. Ici, Calen. Ouais, mais moi j'ai rendez-vous à 18h30 et je suis un peu fatigué. Je me dis, je vais stop là, comme ça je prends le temps tranquille avant mon call. Bien raison. Mais c'était trop cool. Entre Fall Guys MK et Codenames, c'était trop bien Codenames. Dès qu'on a un nom pair, faut qu'on se fasse ça en vrai. C'est trop bien. Ouais, c'est pas mal. Mais parce que genre pair, mais par exemple si t'es 4, t'es pas fou à 4, non? Non, c'est bien 6. Comme t'as un peu d'intérêt. Ouais, sinon y a pas de réflexion avec les. Ouais, t'es tout seul à réfléchir de ton côté. Ouais. C'est ça. Genre... Non, en vrai, il faut être au moins 6, ouais. Mais ouais, 6 c'est cool en vrai. Ouais. Bon bah écoutez les copains. Bah, let's gong. Merci pour la session, je vous fais des bisous. Ciao. Ciao. À très vite. Salut équipe. Salut. Ciao. Salut. Bon bah c'était trop stylé. C'était trop bien. C'était trop bien. En réalité c'est pas très grave de jouer un nombre impair si on est nombreux. Oui c'est vrai que faire une équipe de 3, une équipe de 4, c'est ok, ça réfléchit ensemble, ça va en vrai.